On est parti tôt des îles ce matin. On retourne à Linton Bay parce que ça nous prend absolument un booster de signal. On a commandé ça puis il est arrivé. On réussit à peine à mettre les épisodes en ligne. C'est vraiment difficile de travailler avec une connexion Internet. C'est presque pas une connexion Internet en fait. C'est très 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 limité dans les îles. Donc avec ce booster-là, on espère que ça va faire ce que c'est censé faire puis vraiment nous donner un signal plus fort. Pour qu'on puisse être capable de mettre les plateformes à jour, entretenir les réseaux sociaux, vous partager les vidéos. C'est important pour nous, l'Internet, là, puis pour vous, vraiment, parce que sinon, on ne peut pas publier les épisodes. C'est ça la mission aujourd'hui. Puis on retourne, on est parti tôt. Puis on a une belle journée, super calme. La pleine lune est là. Des beaux vents calmes, c'est parfait. From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Beau style de pêche, Véro! Jugez-moi pas sur mon style vestimentaire, là! On a un poisson! C'est celle à PA tout à l'heure! Okay. On va remettre ça à l'eau, trop petit! Oh. Bye bye! Même poisson! Pas grave, Véro, on va en attraper l'eau! Ben oui, c'est le fun de le ramener pareil! Ben oui! Juste comme il faut rentrer en ligne, il y a un poisson après. C'est du plate. Putain, barouette que ça mord. C'est incroyable. Ah, c'est pas la même sorte. On vient juste d'affaler les voiles, puis on n'a pas filmé par exemple parce qu'on a pogné comme un poisson en même temps. Regarde ça! On est en train de tout serrer, ramener le poisson, rentrer en ligne, parce qu'on arrive à Linton Bay! Il reste une ligne à rentrer d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai! Bon matin les amis! Aujourd'hui, on est bien excités parce qu'on est venu à Linton Bay pour une affaire super importante. Un booster! Oui, boost! Parce que l'internet d'un sandblast, c'était vraiment pas évident. Il fallait bouger à chaque jour, le signal est pas bon, il rentre, il sort, c'était vraiment le bordel. Fait qu'on est revenu pour chercher cette bidule-là. On va installer ça, on va faire un test, voir à quel degré qu'on gagne en rapidité. Les gars ont installé le Wii Booster, mais comme on est à Linton Bay et la connexion est déjà super forte, on voit pas de différence en ce moment. Donc il va falloir attendre d'être dans les sandblasts pour vraiment avoir un signal faible et là, l'amplifier. Puis aussi, je voulais vous dire que c'est pas un commandite, il y a personne qui nous a demandé de parler de ce produit-là. C'est juste que nous, on essaie de trouver une solution à notre problème d'Internet, puis je suis certaine que ça va aider plusieurs personnes. Si on réussit à trouver la solution, là, on vous la partage, c'est certain. Ce matin, je suis seul. Pat et Véro sont partis très tôt.
à 5h ce matin pour aller chez le vétérinaire avec Windy. Moi, je vais en profiter aujourd'hui pour avancer sur un paquet de trucs. Entre autres, notre quatrième associé dans le catamaran, Patrick Nadeau, s'en vient durant le temps des fêtes faire la plongée. Alors, il faut trouver un compresseur pour quand il va arriver, qu'on puisse faire des plongées un peu partout, qu'on soit autonome. Et par le fait même, on en cherche un parce qu'à travers le monde, on va toujours plonger. Puis, définitivement, rechercher toujours des places pour remplir les bonbons, ça va tenir. Alors, on va avoir un compresseur sur le bateau dans les prochaines semaines, en espérant que ça soit avant qu'il arrive pour Noël. On va tout faire pour que ça arrive avant. Véro et Pat sont partis avec le dinghy ce matin. Moi, j'ai plein de commissions à faire. J'ai besoin du dinghy. Fait que je vais sauter dans le kayak. Je vais me rendre directement à la marina. Je vais mettre le kayak dans le dinghy. Je vais revenir ici. Je vais venir chercher les tanks de plongée parce que cet après-midi, on va faire une plongée avec un de nos amis. Il nous amène voir un spot peut-être à 2000 ici, des côtes, qui est rempli de lionfish. Alors, on va aller chasser un petit peu. On va probablement se faire un ceviche avec les lionfish. On en prend, mais je suis pas mal confiant que s'il nous amène là, il doit avoir pas mal de poissons. Et bonne chose, hier il a plu toute la journée. Il annonçait ça pendant les 3 prochains jours. Et ce matin, je me lève, surprise, sunny day. Aujourd'hui, il annonçait 15 à 20 mm, à rien y comprendre. C'est le gros soleil, pas de nuages. Ça, on peut pas demander mieux que ça. Alors, on recharge les batteries en plus, puis on profite du soleil. Alors, je saute dans le kayak, puis on va chercher le dinghy. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui, Véronique? On est à Colomb, puis on vient au vétérinaire pour Windy. Parce qu'elle a une bosse sur sa hanche, puis ça pourrait être un ganglion enflé, on sait pas. Ou un kyste. Le vétérinaire pourra nous confirmer. Elle vomit souvent aussi, random, on sait pas pourquoi. Pourtant, sa nourriture n'a pas changé. On essaie de y enlever des treats qu'on a ajoutés. Peut-être que c'est ça, des os différents, des fois qu'il y a du chimique dedans, qu'elle a un petit estomac, tu sais, Windy, là, fragile. Elle boit l'eau salée aussi, des fois, c'est sûr que ça n'aide pas. Ça, c'est sûr, quand elle revient de la plage, ouais. Mais sûrement que ça a un estomac fragile, parce qu'elle n'a pas un comportement de chien qui est en mal en point, là, ou malade, là. Fait que, mais on va juste s'assurer que tout est beau, fait qu'on va faire un petit tune-up sur Windy. Pas un autre chien, Véronique. Oh non! Qui dit qu'on devrait l'adopter? Vous pouvez l'écrire en commentaire. Regardez comment il est beau! Ça a super bien été. Finalement, c'est juste une masse graisseuse. Il n'y a pas de danger. C'est pas un kiss. C'est pas un ganglion non plus. Fait que tout est beau pour Windy. Puis pour ses vomissements, ben sûrement la nourriture moins bonne qualité dans les pays où on va. Des fois, dans les petits mercados, on prend la nourriture qu'on trouve. Ça pourrait être le problème. Donc, on va aller acheter de la nourriture de qualité pour son petit estomac fragile à Tchon. Puis on va essayer cette solution-là. Mais pour le reste, elle est en super bonne santé, Windy. Puis on a pris conscience de quelque chose, moi et Véronique, oui, dans le bureau. On jasait justement là, fait qu'on s'est dit, hey, on va en jaser avec vous autres. Puis c'est que pendant la consultation, c'est seulement en espagnol, là. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre tous les mots non. Pour comprendre le sens de la phrase et tout. Puis de toute façon, on sait qu'on parle pas d'un auto, on parle pas de quoi que ce soit, on parle du chien. C'est plus facile dans ce temps-là. Exactement. Faut pas paniquer, là. T'sais, même si tu comprends pas le premier mot de la phrase, c'est pas grave. Mm-hmm. Tu vas finir par entendre un mot qui ressemble au français. Fait que là, tu vas pouvoir en déduire, OK, elle parle de la masse graisseuse de Windy. Mm-hmm. OK, fait que là, après, puis on a eu une super bonne discussion, on a tout compris, ouais, ce qu'elle nous expliquait. Ça te prend quelques mots de base, mais moi, je vous le garantis, là, je suis vraiment pourri en espagnol. Puis j'ai tout compris la conversation en saisissant quelques mots à travers tout le texte, fait que tu peux en déduire. Exact. Qu'on s'en vient bon. Ouais, good job. Parfait, ça me fait faire un petit peu d'exercice ce matin. En réalité, je crois que c'est la première fois que je prends le kayak. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai fait quelques fois du kayak au Québec. Ils nous avaient prêté des kayaks. Puis à la fin de la journée, moi, j'avais de la misère. On descendait rapide. Je chavirais tout le temps, en réalité. On avait commencé à échanger des kayaks parce que je regardais les autres, ils réussissaient à passer. Puis moi, non, j'étais pas capable. J'arrivais, puis c'était tellement sensible et nerveux comme réaction. Passer l'expérience, je chavirais toujours.
À la fin de la journée, on a tous compris que j'avais le kayak comme la Ferrari du kayak. Il fallait être pro pour pouvoir naviguer ce kayak-là. J'avais eu du fil à retard toute la journée, mais ça avait été vraiment le fun. On est prêt, on s'en va plonger, ouais! L'île est à 2 milles de la côte, fait qu'au milieu de nulle part. Ça devrait être super. On vous montre ça dans pas long. Pour ceux qui sont pas familiers avec la plongée, je trouvais que c'est une belle explication des niveaux. Tu commences, t'es open water diver, ça c'est le premier niveau. Ensuite, t'es advanced, open water diver, ça c'est ce que nous on est, les trois on est advanced. On avait fait notre cours avec Yannick, notre instructeur, qui vient au bateau nous enseigner. Ensuite, tu peux faire ton rescue. Puis de ton rescue, là, tu as plein d'options. Là, tu peux faire ton dive master. Et une fois que tu as ton dive master, ben là, tu peux aller first response, emergency. En tout cas, il y a plusieurs niveaux. On monte tranquillement. Tant qu'à être à Linton Bay, on en a profité pour faire une épicerie à Panama City. Les gars sont allés hier, puis c'est ça qu'ils ont rapporté. Donc c'est tout le sec, parce que dans les sandblasts, maintenant qu'on est allé, on sait un peu plus qu'est-ce qu'on a besoin. Des fruits, des légumes frais, il y en a à tonnes. On n'a pas de problème avec ça. Ils ont aussi du poisson, langouste, crabe, du poulet même, des œufs. Le sec, ils en ont pas. Impossible de t'acheter un sac de chips, là. Il y en a juste pas. Levure alimentaire, ça fait une éternité qu'on en cherche, Patrice et moi. Ça goûte un peu comme le fromage. Tu peux en mettre sur ton popcorn. Tu peux en mettre dans des sauces. Ce qui est vraiment cool de ce produit-là, c'est que ça, en plus, ça se garde longtemps. Mais c'est qu'il y a plein de vitamines. Tu vois, il y a 520% thiamine, vitamine B12, 630%. Quand on en trouve, on en jette beaucoup. On mange des noix à tonnes. Souvent avec notre smoothies le matin, on rajoute des noix, on a acheté de l'huile, des wraps, on a une pile ici, là, je sais pas si on voit bien, là, mais on a comme une dizaine de sacs de wraps parce que ça se conserve super longtemps. Trois sacs de raisins parce qu'il y en a pas où ça me place des raisins. Puis ce qu'on aime faire, c'est les mettre dans le congélateur. Fait que là, ils sont, c'est comme quasiment des bonbons sucrés froids. Mais quand il fait chaud, là, c'est vraiment cool. Ça, c'est pour faire du hummus. J'ai montré une recette à APA, comment faire du hummus, il avait jamais fait ça de sa vie. Puis là, bien évidemment, lui, il l'a rehaussé x 1000. Fait que c'est super bon, on s'en fait souvent. Je vous montre où on peut serrer tout ça. Parce que dans un catamaran, contrairement à un voilier, il y a moins d'espace de rangement. Donc je vous montre à l'instant ce qu'on a comme espace pour ranger la nourriture. Donc voici notre premier rangement. On a plusieurs bacs pour aider avec l'organisation. Lui, il se bouge, on va voir que ça au reste.
Les patates, ça se garde longtemps quand c'est à la noirceur. Sinon, j'aime bien avoir des pots réutilisables comme ça. Fait que quand on arrive, par exemple, avec un sac de sucre, ben je le verse tout là-dedans. Puis ce pot-là, je le réutilise à chaque fois. Ça fait qu'on a beaucoup moins de déchets. Quand on dépaque l'épicerie, on se débarrasse tout de suite des emballages. Puis on met dans nos conteneurs réutilisables. On a aussi un deuxième compartiment, le dernier. Vous voyez le lait, toutes les cannes vont aller ici. Ça, c'est toutes des sauces. On a des pâtes, d'autres riz, de l'ail en pot. Ça, c'est ce qu'on utilise pour faire le hummus, c'est tahini. Donc, c'est assez limité. C'est deux gros compartiments, mais il n'y en a pas d'autres ailleurs, là. Fait que c'est quand même limité. Dans la typique 1, notre monocoque, on avait 6 rangements dans le salon, plus ceux dans la cuisine. J'avais comme 5 portes d'armoire. Dans la typique 1, c'était beaucoup plus spacieux pour le rangement. Puis sinon, on a aussi notre frigo. Nous, c'est un frigo comme ça que tu ouvres puis que tu ranges tes trucs. Honnêtement, c'est pas l'idéal. J'aimais beaucoup plus mon petit frigo dans Atypique 1 avec la porte qui s'ouvre sur le côté. Même s'il était plus petit, on réussissait à mettre beaucoup de choses dedans, puis c'était beaucoup plus pratique quand tu vas aller chercher quelque chose. Hier, justement, j'ai tout lavé, le frigidaire, donc j'ai dû tout sortir, puis genre ma tête était dans le fond là, puis mes fesses en haut là, là c'est vraiment pas pratique pour... Je rejoins à peine le coin. Donc un frigo avec la porte sur le dessus, c'est un irritant pour nous. Je vous recommande pas, si vous avez le choix. C'est sûr qu'un frigo avec une porte sur le côté, c'est l'idéal. Il manquait un sac? Ben oui! Ah! La graine de chia, oui! Je me disais justement que vous n'auriez pas sorti du magasin sans graines de chia. Exactement. Dans ce sac-là, on a des graines de chia. Ça, on en met dans nos smoothies. On a d'autres pâtes, d'autres noix. Là, on est prêt. On est plus prêt que l'autre fois parce que l'autre fois, on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'il y aurait, qu'est-ce qu'il n'y aurait pas. Maintenant, on sait qu'on est mieux préparé. Il y a un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est nos herbes fraîches. Ça, on avait prévu le coup la première fois avant d'aller au San Blas. On a de la menthe, du basilic, de l'aneth. Puis hier, j'ai planté d'autres basilics, puis de la coriandre. Jusqu'à maintenant, ça fait plus d'un mois qu'on a les herbes, puis ils se portent à merveille. On a eu la question en commentaire. Tant qu'ils reçoivent pas de l'eau salée, je pense qu'ils vont être corrects. On les bouge dans le cockpit pour l'ombre ou le soleil. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Moi, j'ai jamais eu le pouce vert, là. Jamais. Pour vrai, c'est étonnant que j'ai gardé mes enfants en vie parce que les plantes, ils mourraient toujours. La semaine prochaine, c'est le chaos dans le mouillage. Plusieurs bateaux dérapent, sauf le nôtre qui s'accroche malgré que deux autres bateaux nous tirent vers les récifs. À la prochaine! On va s'en aller! Yeah, à un moment donné, il faut bien les aider, mais on va s'en aller. Ah ouais, j'ai dit! Tu rentres! Ah ouais! Hé! Tu rentres! Wendy! Non! Hey! Sois belle, étais-toi! On va couper le son sur celle-là. Non, c'est pas une bonne note. Elle est différente un peu. Rentre-les, rentre-les! Pousse, pousse! Bonne nuit! Fermé dans son trou? Ah, ben, j'en Wendy! Wendy, pousse! Manque-moi l'œil avant! Non, non, c'est quoi, ça? Manque-moi l'œil! Non! Ah, non! Puis quoi d'autre? C'est pas mal ça. Maman me dit toujours que c'est important que je garde mon gilet de sauvetage en navigation. Comment voulez-vous que je tombe à l'eau si je suis même pas capable de débarquer du sofa? Je suis tout emmêlé dans ma doudou! Je suis quand même contente de l'avoir parce qu'à 7 heures le matin, c'est pas chaud chaud. Merci maman, ça c'est beaucoup mieux. Il manque juste que tu me grattes le cou et c'est une navigation parfaite, ouais.